Es ist schon einige Jahre oder viele Jahre her, dass ich mich einige Fragen nicht mehr losließen. Alors, cela fait quelques années déjà que je me suis posé un certain nombre de questions auxquelles j'avais envie d'avoir des réponses. Meine Kinder waren damals klein und mich beschäftigte vor allen Dingen, warum macht man Heime für Behinderte und dann wiederum Kinderheime und man unterstützt die Betroffenen aber nicht, die Familie, dass die Familie zusammenleben kann. À l'époque, elle était mère de 4 enfants et ce qui la préoccupait, c'était voilà, qu'est-ce qui va se passer pour elle et ses enfants le jour où elle ne peut plus rester à la maison. Et est-ce qu'il y a une institution pour elle? Et puis qu'est-ce que vont devenir ses enfants? Et qu'en fait, elle s'est aperçue que pas grand-chose était fait à l'époque par rapport à ce besoin-là. Man macht Kampagnen gegen sexuelle Gewalt und sagt, dein Körper gehört dir. Und warum können aber Behinderte nicht selber entscheiden, wer ihnen eben sehr nahe kommt und ihren Körper pflegt? Il y avait des grandes campagnes par rapport aux violences sexuelles et qu'il est important de pouvoir décider de son intimité, etc. Et elle se demandait pourquoi, en tant que personne handicapée, on ne peut pas décider de qui intervient dans sa sphère intime. Man propagiert Eingliederung, man finanziert aber immer die Ausgliederung. Alors, on fait la promotion de l'intégration, mais finalement, on finance, disons, l'exclusion. Dies und anderes sind der Grund für unser Engagement, die Behindertenhilfe inskünftig am Subjekt auszurichten. Dass dies mit dem Assistenzmodell gelungen ist, haben wir diversen Personen zu verdanken. Alors, l'idée, c'est cet engagement d'avoir la possibilité, dans le domaine de l'aide aux personnes handicapées, d'avoir un financement individuel qui est directement destiné à la personne et versé à la personne. C'est la raison de notre engagement qui a mené justement au modèle budget d'assistance. Et par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport au budget d'assistance, nous aimerions remercier un certain nombre de personnes. Zuerst ist dem Peter Verdi, der vor ungefähr 15 Jahren die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung so richtig hier in die Schweiz gebracht hat und mit uns zusammen, einer kleinen Gruppe, auch immer den Mut gehabt hat, für Aktionen zu machen, um überhaupt mal aufzurütteln. D'abord Peter Verdi, qui il y a 15 ans a lancé le mouvement de la vie autonome en Suisse. Pour ce petit groupe qui a porté pour toute la motivation, pour tout ce qu'il a mis à être d'accord et à soutenir l'idée d'un budget d'assistance. Meine Kollegen von FASIS, die bereit waren mit mir zusammen, dass wir diese Herkulesaufgabe überhaupt angepackt haben. Un remerciement à tous mes collègues de FASIS qui ont été d'accord de mettre plein d'énergie dans ce projet. Digne d'Hercule. Der Dominik Wunderle, die für mich immer so also die ganze Romandie-Arbeit gemacht hat und wirklich die ganze Zeit ganz toll mit mir zusammengearbeitet hat. Ben moi-même, elle me remercie moi-même pour tout le travail que j'ai accompli et notre collaboration depuis toutes ces années, ben, moi en Romandie et puis elle en Suisse allemande. Der Jörg Stahl, der heute Mittag ja schon hier gewesen ist und das Assistenzbudget 2001 zum ersten Mal in den Rat gebracht hat. Monsieur Jörg Stahl, qui est venu cet après-midi, qui a soutenu déjà en 2001 au niveau du Conseil national l'idée d'un budget d'assistance. Die Ständeräte Christiane Langberger und der Philipp Stählin, die dann 2002 das Modell von Jörg Stahl aufgegriffen haben, uns in den Ständerat gebracht haben. Und das hat dazu geführt,
dass ein Pilotversuch Assistenzbudget durchgeführt wurde. Ensuite, les remerciements vont à Christiane Langenberger et Philippe Stelin, qui en 2002 ont repris ce que Jürgstall avait commencé avec le projet pilote, avec l'idée du budget d'assistance, en le prolongeant, en le présentant au niveau du Conseil des États. Der Ständerat Eugen David, ich weiß nicht, ich glaube, er ist noch nicht da, aber er wollte heute eigentlich auch noch kommen. Er war für mich immer ein wichtiger Mentor gewesen und Ratgeber und hat auch immer ganz wichtige Inputs gegeben, damit wir die nächsten Klippen auch geschafft haben. Eugène David, qui est conseiller aux États, qui a été son mentor, qui a souvent donné des conseils, qui a donné des idées et qui a souvent aidé à faire des petites, à donner des petites avancées, à faire des petites améliorations pour que ça aille plus loin. Die Maya Graf und die Erika Forster sind auch welche aus dem Parlament, die ganz wichtig waren die ganze Zeit, die haben uns immer wirklich sehr treu unterstützt und auch immer wieder aufgemuntert. Alors Maya Graf, qu'on a entendu cet après-midi, Erika Forster font aussi partie des personnes du Parlement qui ont soutenu, qui ont cru au projet et qui ont mis de l'énergie pour faire avancer cette idée au Parlement. Ich suche den Yves Rossier, wo ist er? Yves, du bist da hinten. Hier will ich auch herzlich danken, dass du das Assistenzbudget zur Chefsache erklärt hast und für die vielen feinen Treffen, die wir miteinander auch immer gehabt haben. Madame Rossier, merci Yves Rossier, pour tout le travail accompli, pour tous les moments passés et puis d'avoir vraiment mis de l'énergie pour ce projet. Dann, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob er da ist, der Fritz Job. Er ist unser Excel-Spezialist und er hat immer alle Sachen, die wir irgendwie ausrechnen mussten, in Formeln gegossen. Alors Fritz Chop, qui lui est notre spécialiste pour les documents Excel que vous utilisez et qui a passé de belles heures à résoudre un certain nombre de problèmes pour que ça fonctionne. Dann der Peter Eberhard, er ist dort vom BSV, Projektleiter vom Pilotversuch Assistenzbudget. Frau Lamia ist krank, ne? Ja, einfach für die gute jahrelange Zusammenarbeit, die wir gemacht haben. Remerciements à M. Eberhard, qui était le chef de projet du budget d'assistance à l'Office fédéral des assurances sociales, pour la bonne collaboration durant le projet. Genauso die IV-Stellen von den Pilotkantonen Basel-Stadt, St. Gallen und Wallis für die offene Kooperation die ganze Zeit. Und meinen Kolleginnen in den Stützpunkten, die das Projekt auch mit durchgeführt haben, und im Stiftungsrat. Alors des remerciements bien entendu à tous les Office AI qui ont Office AI Saint-Gall, Bâle et Valais qui ont étroitement collaboré au projet. Aussi un remerciement aux collègues de l'antenne régionale Valais, antenne régionale Saint-Gall, et à qui j'ai oublié. Et encore au conseil de fondation budget d'assistance. Ich weiß, dass die Hartnäckigkeit sicherlich immer wieder genervt hat, aber sie war wirklich notwendig, damit wir überhaupt diesen Wechsel hingekriegt haben. Bon, j'ai de la peine à traduire. Je sais que cette comment dire volonté on va dire c'est obstiné, cette obstination a parfois énervé un certain nombre de gens. Mais elle était nécessaire pour que le projet aboutisse. Es waren 15 intensive Jahre, in denen meine Kinder groß geworden sind. Auch ihnen geht mein Dank. Sie haben oft was über dem Assistenzbudget zu Hause hören müssen. Es waren viele Hochs und viele Tiefs, die wir erlebt haben. Aber es war immer irgendjemand da, der uns ermuntert hat zum Weitermachen.
Alors durant ces cinq années, elle pense aussi à remercier ses enfants qui ont bien grandi, mais qui durant ces 15 années ont eu l'occasion à maintes fois, à maintes reprises de l'entendre parler du budget d'assistance et l'ont soutenu quand il y a eu des hauts et des bas. Donc elle les remercie infiniment d'avoir été là. Danken möchte ich auch den Teilnehmern im Pilotversuch Assistenzbudget. Ihr seid die Pioniere vom Assistenzbudget und eure Kraft hat mich immer wieder beeindruckt. Wenn wir so Treffen gehabt haben, fand ich immer, war das wirklich immer toll gewesen mit euch, das zu spüren. Ihr seid auch alle Kämpfer. Alors aussi des remerciements aux participants au projet pilote, parce que à nombreuses reprises lors des réunions, elle a pu apprécier votre force et admirer vos convictions et admirer votre énergie que vous avez mis pour que ça fonctionne et pour que le projet tourne. Nun wisst ihr, steht jetzt noch auf die letzten Monate an, dass die Verordnung vom Assistenzbeitrag vom Bundesrat verabschiedet werden muss. Ihr wisst, wir kämpfen immer noch darum, wie es aussieht für die Erwachsenen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit und die Minderjährigen. Wir hoffen, dass wir dort wirklich noch gute Lösungen auch finden. Alors, comme vous le savez peut-être, l'ordonnance d'application du budget d'assistance doit être encore acceptée par le Conseil fédéral. Et puis, on est encore en train d'essayer d'améliorer la situation des adultes avec représentants légaux et également pour les enfants. Der Assistenzbeitrag soll jetzt im Januar 2012 eingeführt werden. Er ist ein Meilenstein für Gleichstellung, Integration, Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Alors la contribution d'assistance entrera en vigueur en 2012, le 1er janvier 2012. C'est vraiment une étape décisive par rapport à l'égalité, par rapport à l'intégration, par rapport à la liberté, par rapport à l'autodétermination. Ich denke, wir können alle stolz sein, dass wir jetzt mit wenigen Selbstbetroffenen es geschafft haben, so eine wichtige Reform hinzubekommen. Passt gut auf dieses junge Pflänzchen. Merci euch allen. Avec nos forces de personnes concernées et puis faites attention à cette jeune plante qui est en train de pousser. Merci à tout le monde.